Bonjour à tous et bienvenue en direct du concours Top Peintre 2018 au magasin Nuance Unicalo de Lille. Je suis super content d'être avec vous. Dites-moi en commentaire comment ça va et d'où vous me regardez. Restez bien connectés dans ce live parce qu'on va vous donner des super conseils déco avec un professionnel de très grande qualité qui est présent. Voilà, vous allez voir Vito à l'œuvre. Et donc, sans plus attendre, je rentre. Je suis super content d'être là. Et on va aller voir Pierre, un des responsables du magasin, avec Clément. Bonjour messieurs, comment ça va? Impeccable, bienvenue dans le Nord, à Lille. Merci pour votre accueil. Donc on est en direct sur Facebook, donc en direct du magasin Unicalo que tu as créé, Pierre, c'est ça? Alors on a créé il y a 3 ans avec Clément, à Seclin d'abord, le premier magasin. Et ensuite, ça va faire 1 an, donc on a créé le magasin ici à la Pilaterie, qui est le cœur de la peinture de Lille. On est à peu près 10-12 fournisseurs. Okay. Et c'est ici qu'on doit être. Ouais, tout à fait. Donc ça va faire 1 an, le 14 décembre. Ok, donc Unicalo, on est super fiers d'être partenaire à l'échelle nationale d'Unicalo, parce que c'est une entreprise qui a beaucoup de valeur, une entreprise familiale. Tu peux nous dire quelques mots, Pierre? Eh bien écoute, moi donc je venais d'un concurrent. Qu'on ne citera pas. Et si tu veux, je suis tombé amoureux des pistouris. Pour être très clair. La famille Pestori, ouais. Voilà. Donc, ils m'ont convaincu de les rejoindre. Et bah, écoute, ça fait 3 ans, je suis enchanté. Très bon produit. Des gens magnifiques au siège qui sont toujours là pour nous aider. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et puis, j'ai la chance d'avoir eu des clients qui m'ont suivi. Et avec une équipe aussi, notamment avec Clément, ici présent, hein, qui est donc le responsable des magasins, et qui nous a rejoint, qui nous a suivi il y a 3 ans. Et puis, aujourd'hui, on est en pleine expansion. Belle aventure. Ouais, hein. Très, très belle aventure. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, écoute, on va aller voir Clément, du coup. J'en profite pour faire un petit travelling sur le magasin qui est très, très beau, avec un côté showroom et un côté pour servir les pros. Comment ça va, Clément? Ça va très bien, merci. Bon, alors, super, donc tu es l'associé, ouais, de Pierre, tout à fait. Sur les magasins. Sur les magasins, voilà. Donc on a ouvert en 2015 notre premier magasin sur Seclin. Ok. Et fin 2017, on a ouvert ici le magasin de Wascal. Ok. On a démarré à 3. Ok. Aujourd'hui, nous sommes 10. Waouh. Ouais, c'est une belle progression. Donc voilà, tout se passe nickel. Nos services au jour d'aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions techniques aux professionnels et aux particuliers. Ok, super. D'avoir des conseils déco. Ok. Avec un mur de couleur que tu peux voir ici. Hop, on va le voir. On va le voir. Allez, ici. Je me tourne. On peut faire une petite visite du showroom, nous expliquer un peu comment est organisé le magasin. Alors, ici, on a la partie showroom. Okay. On a 2 entrées sur les 2 périphéries de l'agence. Ok. La partie showroom avec Laurence qui est... Bonjour Laurence. Au showroom. Comme vous pouvez voir derrière, le mur de couleur avec toutes les teintes en association. Ok. On a à peu près 400 collections de papier peint. 400 collections 400 collections de papier peint, revêtements muraux. Avec Laurence qui est là justement pour vous conseiller, vous apporter des solutions techniques et esthétiques. Esthétiques, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et après, on a la partie pour les pros, c'est ça? Voilà, on a plus la partie qui est pour les professionnels ici avec le comptoir. Ok. Hop. On peut s'avancer. Ok. Donc, toujours énormément de stock. Ok. Pour la réactivité, pour la réactivité. Les produits quand on en a besoin. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va passer au comptoir où je vais vous présenter l'équipe. Attention, l'équipe au complet. Tout à fait. Alain qui est ici. Salut Alain. Alain, ça bosse dur. Hein. J'étais là ce matin à 7h30, ça débauche pas. Ça bosse dur. Vous avez donc Arthur qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Arthur, le petit nouveau, à fond sur la machine. Voilà, qui prépare les teintes pour les clients. Et voilà. Salut Arthur. Salut. Vous avez ici Alex. Alex. Qui est en train de servir un client. Top. Nickel. On peut voir toutes les bases, tous les stocks, toutes les peintures. Peintures fabriquées en France. Et oui, parce que ce qui caractérise Unicalo aussi, c'est l'innovation. C'est l'innovation, tout à fait. Tu peux nous montrer les poches? Moi, j'ai halluciné là sur ces poches. Alors, Unicalo a sorti l'Unicob. L'Unicob, c'est facile, c'est pratique, c'est économique et c'est surtout écologique. Le système, c'est une poche qui retient la peinture. C'est tout con, mais il fallait y penser. Il fallait y penser, Monsieur Pestouri y a pensé, tout à fait. Cette poche, une fois que la peinture est vide, on peut la prendre, la jeter 80 grammes. C'est beaucoup plus écologique qu'un bidon de peinture à ramener chez le ferrailleur. Clairement. Clairement, tout à fait.
Au jour d'aujourd'hui, 99% de nos produits ont des labels A+, NFR Environnement. C'est très important au jour d'aujourd'hui sur le marché. D'accord. Quoi... Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est super ingénieux d'avoir passé à mettre des poches pour les pots de peinture. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est vous mettez des codes couleurs sur les pots pour savoir quels sont les meilleurs rouleaux et peintures à utiliser pour appliquer, pour réussir l'application de peinture. Tout à fait, tout à fait. Truc de fou. On peut aller voir sur une Nae ou sur un... Ouais, tout à fait. Alors on peut regarder ici sur la gamme Nae. Alors la gamme Nae, qu'est-ce que c'est ? C'est une peinture biosourcée, 95% des résines sont des résidus des huiles végétales. Génial. Et sur le côté ici, vous pouvez voir le manchon. Alors attends, hop. Le manchon. Qu'est-ce que c'est le manchon ? Moi, le manchon, c'est le rouleau pour appliquer la peinture. Okay. Et la brosse qui est recommandée. On a trois types de manchons et trois types de brosses. Trois couleurs. Trois couleurs, tout à fait. Et okay. En fonction du type de peinture qu'on utilise, on a le manchon qui est recommandé pour avoir la meilleure application sur le mur. C'est énorme. Voilà, c'est nickel. Génial. Bah écoute, je te remercie Clément pour cette explication. Allez, je vais retourner voir Vito. Si vous avez apprécié donc la présentation de Clément. Merci Clément. Merci. C'était vraiment cool. Alors hop, je continue. Et on va aller voir Vito. Vito qui est le dirigeant d'une très très belle société. Il m'a montré ses réalisations. Il fait vraiment un boulot fantastique. Comment ça va Vito ? Ça va bien, merci. Bon, tu es prêt à nous donner des conseils déco et tendance ? Oui, donc je voulais te montrer le nuancier Nae. Génial. Donc c'est Nae, c'est des peintures qui sont déco-responsables. D'accord. Qui sont fabriquées par Unicalo, bien sûr. D'accord. À partir de produits qui ne sont pas du tout issus de pétrole. D'accord, génial. Enfin, il y a un peu de pétrole, mais pas beaucoup. D'accord. Donc c'est bien pour la santé de nos ouvriers au moment de l'application. Pour les enfants et pour les utilisateurs, enfin les occupants des habitations ou des bureaux. Génial. En plus, on a de très belles teintes, donc du nuancier Nae. Ton coup de cœur dans les teintes. C'est un peu mon coup de cœur ouais, chez Unicalo. Après, on a aussi chez Unicalo une gamme de peintures dépolluantes. De peintures dépolluantes. Qui enlèvent les formaldéhydes de l'atmosphère. Génial. C'est des peintures qui seront bientôt obligatoires dans les crèches, les hôpitaux et les EHPAD. Ok, super. C'était ton premier conseil. Du coup, Vito, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié le premier conseil avec les peintures biosourcées. Deuxième tendance, deuxième conseil déco-rénovation que tu pourrais partager avec les gens qui nous regardent. Ben alors, la peinture, c'est bien, mais le papier peint, c'est pas mal pour personnaliser son intérieur. Ah, génial. Donc souvent, pendant quelques années, enfin quelques décennies, ça a été la mode que de la peinture, ouais. Le papier peint a disparu. D'accord. Et il est en train de revenir en force avec des gammes magnifiques. Donc on en met beaucoup moins qu'avant, mais on met plus de qualité. Génial. Donc c'est des peintures qui sont des papiers peints pardon, qui sont faits par des créateurs. Wow. Et qui permettent vraiment de personnaliser au maximum. Magnifique. De personnaliser au maximum son intérieur. Est-ce qu'il y a des pièces, dites-nous hein, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des pièces Vito qui sont plus appropriées pour l'utilisation du papier peint ? On peut le mettre partout, même dans les salles de bain. Il suffit d'avoir une bonne déshumidification de l'atmosphère. Avec on peut même mettre le papier peint dans les salles de bain, dans les cuisines, il n'y a aucun souci. En tout cas, ça donne un coup de chaleur et à la pièce parce que c'est beaucoup plus chaud que la peinture. Et de personnalisation, là on voit qu'on a d'autres motifs, là on dirait carrément du tissu presque. Ah oui, ah oui. C'est plus du papier imprimé. Papier imprimé, très bien. Ok. Donc toi, tu en poses souvent du coup sur tes chantiers ? Oui, on en pose sur tous nos chantiers de prestige, que ce soit des habitations, des restaurants, des magasins. Aujourd'hui, on n'a quasiment aucun chantier de prestige où il n'y a pas un minimum de papier peint, ne serait-ce qu'un rouleau, un mur par-ci, par-là. Génial. Ça, c'était le deuxième conseil de Vito. Si vous voulez chez vous un chez-vous de prestige, inspirez-vous des chantiers de prestige de Vito. Mettez du papier peint. Donc, dans l'entreprise Ferrantelli, on pose aussi pas mal de LVT. De quoi, pardon ? LVT. Qu'est-ce que c'est, la LVT ? La LVT, c'est du PVC. Mais okay. En lame. D'accord. Et c'est une lame qui permet d'imiter le bois ou d'autres matériaux comme le béton ciré. Donc c'est toute une gamme qui permet d'imiter le bois et qui est beaucoup plus économique. D'accord, génial. Donc ça c'est vraiment aussi tendance, on en pose de plus en plus. Même les fabricants de moquettes en fournissent maintenant. D'accord. C'est vraiment la grosse tendance du moment.
et c'est de plus en plus qualitatif, de plus en plus beau. Aujourd'hui, on est obligé de se mettre à quatre pattes et toucher pour se rendre compte que c'est pas du bois. Énorme. Ben effectivement, c'est vrai qu'on s'y casse les yeux. Et là, on voit qu'il y a les lames qui sont exposées. Effectivement, le bois revient dans tous les intérieurs, le côté zen, oui, c'est le pareil, côté ça nature. Donne un côté chaleur qui est très intéressant. Bon, le vrai bois, c'est bien aussi. Mais le LVT, pour des raisons, parfois, on n'a pas la place de mettre du vrai bois. Là, on est beaucoup plus fin. Et après aussi, pour des raisons de budget, on peut se permettre d'avoir une très belle déco et beaucoup moins cher qu'avec du vrai bois. C'est fantastique. Tous les conseils pour faire un chez-vous de prestige. Merci beaucoup, Vito. Il y a d'autres conseils que tu voudrais partager en termes de décoration pour les gens qui nous regardent? Oui, bah, je pense aussi qu'aujourd'hui, bah, vous pouvez faire vous-même. Je pense que Unicalo vend aux particuliers. Donc, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à demander aux vendeurs. Et vous pouvez aussi me demander des conseils si vous voulez faire vous-même. On n'est pas avare de conseils, notamment les jeunes. On sait qu'au départ, on n'a pas beaucoup de budget. Et on peut vous conseiller pour un do-it-yourself. Ouais. Bon, moi, j'ai essayé, j'ai deux mains gauches. Je préfère faire appel à des professionnels de confiance. Du coup, merci beaucoup, Vito. Dites-nous en commentaire. Je t'en prie, JB. si vous avez apprécié. Tu peux parler de ta société, quelques mots, du coup? Alors, nous, on est une entreprise familiale également. C'est-à-dire, j'ai repris l'entreprise de mon papa qui est décédé il y a 25 ans. D'accord. C'est une entreprise qui a été créée en 1976. Wow. Donc, il y a plus de 42 ans maintenant. Moi, j'avais 8 ans. Et depuis 25 ans, donc avec Alexia, mon épouse, on dirige cette entreprise. Et on est vraiment une entreprise familiale parce que même nos ouvriers travaillent en famille. C'est-à-dire, on a des neveux, des oncles, des nièces, des papas. Et donc, c'est très agréable. On a une très bonne dynamique dans l'entreprise. On travaille dans une bonne ambiance. Et nos ouvriers ont un savoir-faire, bien sûr, mais aussi un savoir-être. Et donc, nos clients leur confient facilement les clés, les codes alarme. Ils laissent les portefeuilles, les œuvres d'art traînées partout. Il n'y a aucun souci. Wow. Ils sont en confiance avec nous. Bah, écoute, c'est super. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant avec Eldo Travaux, voilà, qui a été créé suite à des difficultés pour trouver des bonnes entreprises pour faire des travaux. Et donc, du coup, bah, ça fait chaud au cœur d'entendre qu'il y a des sociétés qui attachent autant d'importance au bien-être de leurs salariés pour que ça se ressente aussi auprès... auprès de la clientèle. Mais à Lille, en général, et chez Unicalo en particulier, il y a de très, très bonnes entreprises de peinture et de revêtements. Et franchement, n'hésitez pas à nous et à les consulter parce qu'on a vraiment affaire à de bons professionnels. Il n'y a pas que des margoulins, comme on dit dans notre région. Ah, je te rassure, on dit ça par chez nous. Dans les travaux, il y a aussi des belles personnes. Et en général, moi, je connais des dizaines de professionnels de la peinture qui sont très bien. Ouais, ben écoute, j'en profite pour dire bonjour à Stéphane, à Ronnie, à Marine, à Hugo, qui sont connectés. Dites-nous ce que vous avez pensé des conseils de Vito que vous regardiez en direct ou en replay. Je le rappelle, on est en plein concours Top Peintre 2018 en direct du magasin donc d'Unicalo Lille. Bon, Vito, t'es chaud pour le concours ? Ouais, je suis chaud, je suis sûr que l'entreprise a de grandes chances de gagner, on a de belles photos. Et ben les confrères, accrochez-vous parce que on est un des bons challengers. Ah là là, merci, c'est bon. Merci et à bientôt. À bientôt Vito. Ciao. Bye bye. Vous voyez, des conseils super sympas. Une belle entreprise. Merci, ça me donne la banane tous les jours. Voilà, d'avoir l'opportunité d'interviewer, d'être au contact d'entreprise comme ça. Donc n'attendez plus pour mettre un maximum de cœur et de j'aime sur la page d'Unicalo Lille et sur les photos de Vito, parce que vous l'avez vu, il est sportif, il est passionné. Donc, si vous voulez le récompenser, allez mettre des likes sur ses réalisations. Et je pense que ça peut être une belle source. Salut Grégory, comment vas-tu? Dis-moi en commentaire comment ça va, toujours dans le sud-est. Voilà, allez liker du coup les publications, les photos que va partager Vito. Ça sera certainement une belle source d'inspiration pour vos rénovations, comme il l'a fait avec les conseils qu'il vous a donnés. Parce qu'il est beaucoup sur des chantiers de prestige, mais il vous a donné ses secrets pour que chez vous soit également un chantier de prestige avec ses conseils simples et terriblement efficaces qu'il vous a donnés. Marie, qu'as-tu pensé des... Coucou Marie, qu'as-tu pensé des conseils de Vito? Ça t'a plu? Dis-moi tout et dites-moi d'où vous me regardez, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, Eldo Travaux, on est en plein développement sur toute la France. Merci à Unicalo de nous avoir fait confiance pour nous permettre d'organiser ce jeu concours sur trois magasins, Lille, Mérignac
et Toulouse. Si vous aussi, vous aimeriez qu'il y ait l'élection Top Peintre 2018 par chez vous, que vous soyez n'importe où en France ou dans le monde, n'attendez plus, dites-le nous en commentaire, on verra pour faire cette élection également. Je remercie donc toutes les personnes du magasin Unicalo qui m'ont accueilli aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir été nombreux à vous connecter pendant ce live, que vous regardiez en replay ou en live. Allez, c'est le moment de mettre des cœurs, des partages et de taguer également des peintres, si vous connaissez des peintres de qualité qui pourraient être élus peintres top peintre 2018. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'oubliez pas, voilà, Unicalo, partenaire du peintre et pour vos travaux de rénovation. Bonne journée, bye bye.